Salut tout le monde. Aujourd'hui, lundi 5 avril. Désolé, j'ai un petit peu de retard, mais bon, c'est férié, donc je me l'accorde. On va faire 4 mouvements de mobilité. Ensuite, vous allez faire 3 tours de warm-up qui fera un petit peu renfo. Ça vous permettra de bien chauffer. Ce sera tout avec une seule haltère ou un kettlebell, enfin voilà. Une seule charge. Et ensuite, le WOD. 5 tours, comme tu veux, les deux. 5 tours, du coup, vous allez voir, j'ai mis des reps sur les dumbbell snatch. C'est 8, 10, 12, 14 et 16. Donc en gros, premier tour, on en fait 8. Deuxième tour, on en fera 10, troisième tour, 15, 12, et voilà, jusqu'au cinquième tour, vous en aurez 16. Ensuite, les autres mouvements, c'est 12 strict press à deux mains. Donc là, en fait, on en a toujours 12. Et ensuite, 12 fentes alternées avec l'haltère aussi qu'on tiendra à deux mains. Il n'y aura pas de cap, le but, ce sera juste de finir. Allez, je vous montre tout ça. Du coup, nouvel acteur pour le film. Du coup, on mettra paume vers le ciel. On fera un étirement du pec, d'accord? Donc, on va à peu près 45 secondes comme ça. Bien la paume vers le ciel et on fera bien les deux bras. Et le deuxième bras, pareil, bras tendu. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on se mettra au sol, on fera le couch stretch. Donc en gros, je mets ma pointe de pied contre le mur, le genou au sol et je me redresse au maximum. C'est pas très agréable, c'est le but, je me redresse au maximum. Je pense qu'ils n'aiment pas trop le genou sur le carrelage. Voilà, le but c'est de se redresser au maximum et d'avoir du coup l'étirement qui se fait dans la cuisse. Ensuite, étirement du psoas, on se met au sol en position de fente, on est bien droit, on enfonce le bassin dans le sol et on tient une belle minute comme ça. Sur celui d'avant, c'est aussi une minute par côté. Une fois fini ça, on enchaîne avec étirement du cou. Voilà, on envoie les pointes de pied vers l'arrière, on pose nos fesses dessus et on vient choper nos triceps. Du coup, on se met debout, on chope le triceps. Voilà, et 45 secondes d'étirement par triceps qui fera 1 minute 30 de tension sur les chevilles. On peut sortir de là. Et on a assez souffert. Une fois fini ça, on enchaîne sur le renfo. On prend du coup notre dumbbell. On enchaîne avec triceps extension. On va le prendre juste en vertical. Pierre, juste, tu tiens juste un seul hexagone. Voilà, comme ça. D'accord? Je me mets debout et je viens tendre mes bras. Boum, voilà. On essaye de garder la tête la plus engagée possible. Et on fait du coup nos reps comme ça. D'accord? Si la charge est très lourde, là, elle est vraiment légère. Donc Pierre, il peut la lever en entier. Elle arrive presque horizontale en haut. Vous la mettez dans vos doigts et vous laissez la charge tomber. Vous poussez, voilà. Une fois qu'on a fini ça, on fait des élévations frontales. Donc, je monte devant moi, au-dessus de ma tête. Yes, on en fait 10 comme ça, d'accord? 10 élévations frontales. Élévations, aujourd'hui, je dis. Je suis très allemand. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec des goblet squats. Donc, on le prend à la verticale à nouveau. Et on va faire 3 secondes de descente. Et je remonte à une vitesse normale. Ok? On en aura 10 aussi. Il le fait bien. Yes. Du coup, 3 tours de tout ça, d'accord? Pas besoin de prendre très très lourd, d'accord? Si vous avez qu'une seule charge, bah, prenez votre charge habituelle et prenez bien le temps de tout faire. On enchaîne sur le WOD, on commence par les dumbbell snatch. On est parti, ça monte tout de suite au-dessus de la tête. Et j'alterne, une droite, une gauche, au sol. Sol. Touche le sol. Et on touche les deux têtes d'hexagone au sol. Boum, voilà. Donc là, on en a 8 au total. Dès que j'ai fini les 8, j'enchaîne avec front rack, du coup. Et je presse au-dessus de ma tête en strict. Je peux te mettre de profil, please. On serre bien notre petit cul et on presse en strict x12. Une fois fini, on garde la charge en front rack, donc devant nous, et on enchaîne avec 12 fentes alternées. Boum, et on revient debout et on alterne pour finir. Merci Pierre. C'est bien, bien sûr. Du coup, je répète, premier tour, je fais 8 dumbbell snatch, 12 strict press, 12 fentes. Deuxième tour, 10, 12, 12. Troisième, 12, 12, 12. 14, 12, 12. 16, 12, 12 pour finir. Bon courage à tous, on se revoit ce soir pour le WOD de demain. Bonne journée.